parfait. Olivier. Ouais, ça a l'ambiance bonne. 5, 4, 7. Ben on l'a échappé belle, Jean-Philippe. Ah bon, le monde a frôlé l'apocalypse suite à une nouvelle dans le National Post qui nous a confirmé que le monde est fou. Le monde est fou, c'est ce qu'on en dit. Oh. Moi pis mon chum, moi pis mon chum, on n'est pas fou. Mon chum pis moi, le squelette du géant Beaupré. Vous connaissez cette toune-là de Beau Dommage? Le monde est fou. Le monde est fou en calvaire. Bon. Je vais vous lire une nouvelle, OK? Ça vient de sortir sur le site du National Post. Si vous m'écoutez, debout, asseyez-vous. Si vous êtes en train de conduire votre auto, stationnez parce que vous allez vraiment faire un accident. Bon, là, je m'excuse de ne pas vous avoir averti que Richard Martineau allait chanter. J'aurais dû vous dire de vous asseoir ou de vous stationner. L'histoire en question, c'est que désormais, une femme ne serait plus une femme avec ses seins et ses souliers à talons hauts. On ne pourra plus utiliser le mot femme. Là, c'est rendu que la Cour suprême du Canada dit qu'on ne devrait pas, dans les jugements, utiliser le terme « femme », mais qu'on devrait utiliser le terme « individu » avec un vagin. Oui, finito les madames. Profitez-en, d'ailleurs, c'est peut-être la dernière fois que j'utilise ce mot-là. Nick Payne, un ancien candidat d'Option nationale et chroniqueur à Cube Radio, en revenait pas. Comment ça se fait que des gens qui ont fait des études... qui sont devenus juges à la Cour suprême, sont épais comme ça. C'est vrai, hein, ils sont tellement épais qu'on en vient qu'à se demander si c'est peut-être nous qui avons mal compris quelque chose, mais non, peu importe le contexte, le Canada est à la dérive. J'aimerais ça imaginer qu'il nous manque des éléments de contexte, là, mais je n'arrive pas à voir dans quel contexte ce serait possible que ça ait du bon sens de dire ce qu'elle a dit, la juge. Mais moi, ce que ça me fait résonner en moi, c'est ces commentaires qu'on entend tout le temps. Ah, le wokisme, là, c'est rien, c'est une mode. C'est pas sérieux. C'est très sérieux. Le pouvoir est désormais ruisselle de ce fanatisme. Oui, oui, c'est très sérieux. Excuse-moi, qui parlait, là? Nick Payne. Ah oui, hein? C'est un ancien lutteur, clairement. Option nationale. Ouais. Donc oui, c'est très sérieux. Et quand il est question de choses très sérieuses, on peut compter sur Mathieu Bock-Côté pour être sérieusement excessif. C'est quand même de la mongolitude puissance 1000. Ah, oh, mongolitude, terme que j'ai pas le droit d'utiliser. C'est vrai. C'est pas bien. C'est pas bien. Parce que qu'est-ce qu'on voit à travers ça? C'est, encore une fois, la tentation orwellienne de changer le sens des mots pour bloquer, en fait, l'accès au réel. Je note quand même l'audace d'utiliser le mot en M devant Richard Martineau, qui a voulu, à une époque, bannir Jean-Sébastien pour ce même crime. Heureusement, nos élites ne se sont pas laissées berner. Ils ont sûrement lu 1984. Oui, le fameux pouvoir ruisselant de fanatisme a défendu les femmes. Martine Biron a présenté une motion à l'Assemblée nationale. Que l'Assemblée nationale dénonce le choix des mots utilisés dans un récent jugement de la Cour suprême pour désigner les femmes, qu'elle réitère l'importance de conserver le mot « femme », qu'elle se dissocie de l'utilisation de termes ou de concepts contribuant à invisibiliser les femmes, qu'elle rappelle les gains importants réalisés dans les dernières décennies afin de faire avancer les droits des femmes et la nécessité de protéger ces droits acquis. Bravo. Oui, il était content. Ça a été adopté à l'unanimité par tous les députés. Comme pour la motion de décembre dernier là, pour défendre le Père Noël, on a mis nos culottes pour conserver nos traditions. Sophie Durocher a applaudi. J'applaudis Martine Biron. J'applaudis, bien sûr, tous les parlementaires qui ont appuyé cette motion-là. Mais je veux juste qu'on prenne 3 secondes, les amis, pour réfléchir à l'absurdité de la situation. 3 secondes pour réfléchir. Je pense que c'est la phrase à retenir ici. Bon, c'est vrai que ça peut pas nuire là, de rappeler qu'il faut pas invisibiliser la femme. Sauf que le jugement qui interdit d'utiliser le mot femme utilise 67 fois le mot femme. Personne ne le dit. Excusez-moi, je trouve que c'est scandaleux. Il y a des gens qui ont commencé à le dire. L'extrême centriste Hélène Buzetti a expliqué sur X que cette motion-là était basée sur une fausse prémisse, tout comme plusieurs autres journalistes, dont Emmanuel Latraverse qui a remis les pendules à l'heure au TVA Nouvelles. Le débat dans cette cause-là tourne autour du fait, est-ce que ça prend une expertise neurologique pour conclure qu'une femme ressent un pénis dans son vagin? C'est une cause de viol. Une fois dans le jugement, on dit personne avec un vagin, pour que ce soit général et clair. C'est pas s'il y a un doute, c'est une femme et c'est une femme. C'est sur la façon dont le juge, en première instance, l'a utilisé. Donc, pour éviter la confusion dans de futures causes, on essaie d'être le plus précis possible. Selon Emmanuel Latraverse toujours et Alexandre Dubé de Cube, si les politiciens et les chroniqueurs avaient pris 3 secondes pour mieux informer, on n'en serait pas arrivé là. Faut pas juste lire les manchettes, faut lire le jugement.
Ben, il faut lire le jugement. Puis moi, je suis surprise que du côté de chez la ministre Biron, on se soit rué à déposer une motion sans en avoir fait l'analyse précise. Madame Biron, quand elle était journaliste, aurait certainement pris le temps de lire le jugement avant de se prononcer. Bon, je ne sais pas si ses collègues ont pris des notes, mais c'est la recette typique pour fabriquer une nouvelle. Un média rapporte des informations un peu tout croche. Les chroniqueurs sautent là-dessus pour s'indigner. Les politiciens sont obligés de réagir. Ça devient un débat national. Une fois que les gens se rendent compte qu'il était dans le champ, ben généralement, on est déjà passé à un autre sujet, genre un dindon sauvage qui se promène dans les ruelles du plateau. Ah, mais c'est vrai, ça. Ben oui, je sais, j'ai croisé un dindon sauvage dans ma ruelle. Ouais. Il a failli éborgner mon chien. Ben voyons, je vous jure. Il faut être prudent, là. Ah oh, oui, il faut être très prudent. Sortez vos battes de baseball. Oui. Quoique, Richard Martineau, quand même, ce matin, a pris le temps de revenir là-dessus. Il a persisté et signé parce qu'il ne voit pas l'intérêt d'envisager toutes les ramifications juridiques dans un jugement. On prend une anomalie en disant ça, l'anomalie va devenir la règle. Alors, c'est comme si je disais, quand vous dessinez un être humain, maintenant, les enfants, dessinez seulement quelqu'un avec des bras. Mettez pas de jambes. Mais pourquoi on met pas de jambes? Ah, c'est parce qu'il y a des gens qui naissent pas de jambes. Tu sais, par exemple, sur les toilettes, c'est homme, femme, puis ont des jambes. Hey, c'est pas correct, c'est pour des gens qui ont pas de jambes? Ben oui, imaginez un monde où nous aurions des pictogrammes d'humains en fauteuil roulant sur les portes de toilettes publiques. Orwell capoterait sûrement de voir ça. Je vous remercie d'avoir fait ce travail-là, Olivier.